à votre gauche, on aperçoit nos gaillards qui s'apprêtent à fouler le terrain. Là, la musique, c'est pas... Et mesdames et messieurs, un maximum de bruit, on accueille chaleureusement nos gaillards. Et c'est ce qui lance la saison 2023 de football. De Chicoutimi pour leur premier match de la saison. Alors, mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir très chaleureusement, pour le beauté protocolaire, le directeur général du Cégep de Jonquière, monsieur Sylvain Gaudreau. Excellent, le sens-ci. Allez, on veut vous entendre, on fait du bruit pour monsieur Gaudreau. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, on fait du bruit, on fait du bruit! Yeah, excellent! Merci beaucoup, monsieur Gaudreau, pour ce beauté. C'est ce qui lance la saison 2023 des Gaillards et avant de débuter la partie, on en profite pour vous remercier de votre présence si nombreuse pour le match de ce soir. Et nous remercions nos précieux partenaires Quentin Gagnon Assurance, Ameublement Tanguay, les Inuits de Lucac, Belle Média, Coca-Cola, IGA Extra Saint-Hubert, les restaurants Vaudy, la GG du Cégep de Jonquière et IGA Mellon.
Intercor, ainsi que la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, la Ville de Saguenay, Desjardins, l'Assemblée nationale du Québec, la Voix Maltais, l'Hôtel Delta, l'imprimeur Broad Promotion, ainsi que Mastera. Bon match à tous! Et pour débuter la partie, les Gaillards recevront le bonté d'envoi. Au retour le numéro 5, Étienne Saint-Pierre. Pour le premier jeu de la saison, les Gaillards. L'offensive s'amène sur le terrain pour la suite. Premier essai 10 pour les Gaillards. Transporté par le numéro 1, William Fortin, le vétéran. Et ça semble être suffisant pour le premier jeu Gaillard. On passe promener du bras du numéro 8, le corps arrière vétéran, Olivier Lefebvre. La musique. C'est capté par le numéro 6, Jasmin Lévesque. Un gain d'environ 8 verges. Deuxième essai, 2. Thank you.
Et on y va avec le jeu de l'option du côté des Gaillards. Et la numéro 8, Olivier Lafèvre, qui conserve le ballon et qui va chercher un autre premier joueur. Et tour dans ce match, l'offensive des Bleus menace. Premier essai, 10 au 27 des Cougars. Oh, excusez, au 32, 33. Et le ballon est capté par la recrue Liam Bédarid. Très bel effort pour tenter de s'échapper. Et on réagit bien du côté des Cougars. Ce sera donc un deuxième essai. Et un peu moins que diverge à faire. Ballon remis au numéro 4, Alexis Bonnefoy. Il y a une pénalité sur le terrain. On a retenu du côté des Gaillards. On reculera le positionnement du ballon de diverge et on reprendra le deuxième essai. C'est donc deuxième essai, 18 à faire pour l'offensive des Gaillards. Et la passe est captée par le numéro 10, la recrue Pierre Cholet. Et c'est bon pour un premier jeu gagnant. Et la passe était commanditée par le corps arrière, le numéro 8, Olivier Lefebvre. Et c'est bon pour un toucher Gaillard! Et on remet le ballon à la recrue Pierre Cholet qui passe le ballon au quart arrière. Le numéro 8, Olivier Lefebvre, qui inscrit le majeur sur une réception passe. Et les Gaillards qui s'inscrivent au pointage tôt dans le match. On vient d'assister à un très, très beau jeu de football. Et la transformation est réussie. La marque est maintenant de 7-0 en faveur des Bleus. Let's go, on fait du bruit, on les encourage à leur retour en bas. Let's go! Gaillard se prépare et on sait bien que quand la défensive des Gaillards est sur le terrain, on veut vous entendre les fans des Bleus, on veut vous entendre faire un maximum de bruit. Lorsque la défensive des Gaillards est sur le terrain, environ 3-4 secondes avant que le ballon soit mis en jeu, on veut entendre un maximum de bruit de la part des spectateurs. On va vous quitter tout au long de la saison, mais votre bruit va être important tout au long de l'année. Thank you.
Et le ballon est capté par le numéro 8 des Cougars. Il y a un mouchoir sur le jeu. La pénalité semble être contre les Gaillards. Elle est déclinée du côté des Cougars. Alors l'offensive des Blancs s'amène sur le terrain. Au point de réception du ballon. Et la défensive des Bleus s'amène. Et c'est pas maintenant qu'on veut du bruit. Ça va être juste avant que le ballon lève. Juste avant que le ballon lève. Environ 3-4 secondes avant. C'est le moment de faire un max de bruit. On se prépare. On veut vous entendre. Let's go! Vous avez tout compris, gang! Les spectateurs sont prêts, vous êtes en feu! Vous avez saisi le point! On veut voir ça toute l'année! Bon, on se prépare, le ballon va être mis en jeu bientôt! On fait du bruit pour les deux! Et le ballon est remis au sol du côté des Cougars, très bonne! Réaction de la part de la défensive, ce sera donc un troisième essai long. La défensive est intraitable. On se prépare à faire un maximum de bruit. Let's go, on encourage les Bleus, let's go, let's go, let's go! Et une pluie de mouchoirs sur le terrain, ça semble être... contre les Gaillards. Le ballon avancera de 5 verges. Ce sera donc le troisième essai 6. Encore une fois, un gros troisième à fond. Vous pouvez brûler. Juste avant que le ballon lève, on va entendre un max de bruit. On tape les pieds. On saute dans nos trompettes. On fait du bruit. Le ballon est capté du côté des Cougars. Excellente réaction en défensive. Un très beau plaqué. Est-ce que ce sera suffisant? Et on indique que ce sera un quatrième essai. C'est insuffisant pour le premier jeu. Gros, gros quatrième essai. Let's go, faites du bruit, on encourage les Gaillards! Et on y va avec la faufilade du corps arrière du côté des Cougars. Et attendons voir la décision des officiels. Et c'est insuffisant! On fait du bruit! On encourage la défensive des Cougars! Et l'offensive s'amène sur le terrain avec un excellent positionnement au 50 en territoire des Cougars. L'offensive d'Olivier Lefebvre qui foule le terrain pour la deuxième fois du match. La passe est captée par le numéro 1, William Fortin. Un gain d'environ 25 verges. C'est bon pour un premier jeu Gaillard. Passe captée par la recrue, le numéro 10, Pierre Chalet. Ce sera à tout près d'un premier jeu. Un gain de 8 verges, un deuxième essai, 2 verges à faire. Et on se souvient plus tôt dans le match, Pierre Chalet qui a lancé une passe de toucher à son premier match en carrière en Amérique.
Une autre passe captée du côté des Gaillards. Il y a un mouchoir sur le terrain. Il y a une pénalité contre les Gaillards. On recule de 5 verges et on reprend le deuxième essai. Ce sera donc deuxième essai et 6 verges. Deuxième essai et 7 verges. Ballon porté par le numéro 1, William Fortin. On gagne d'excellentes verges. Et attendons voir le positionnement du ballon. Et on indique que c'est bon pour un premier jeu. Gaillard! Allez, Régis. Une autre passe complétée du côté des Gaillards. Il y a un blessé du côté des Bleus. Passe captée par le numéro 10, Pierre Cholet. Un gain de 8 verges. Deuxième essai 2. Yeah.
On applaudit le joueur des Cougars, Patrick Gaillard. Les deux équipes s'apprêtent à reprendre le jeu. Et la transformation est réussie, la marque est maintenant de 14 à 0 en faveur des Gaillards. Excellente réaction du côté des unités spéciales des Gaillards. Très bon beauté, très belle couverture. Et la défensive s'amène pour la deuxième fois du match avec un excellent positionnement sur le terrain. Et la foule des Bleus va vouloir vous entendre jusque là-bas. On se prépare à faire un maximum de bruit comme tout à l'heure. 3-4 secondes avant que le ballon soit mis en jeu. On veut vous entendre, on veut vous voir. Brilliant! Et on a retenu du côté des Cougars. On recule le positionnement du ballon de Diverge. Et la défensive des Bleus
l'excellent positionnement. On se prépare, on fait du bruit, on encourage les Gaillards! Et on a bougé trop vite. La pénalité contre les Gaillards. On avance le ballon de 5 verges. Premier essai, 5 à faire du côté des Cougars. Et on se prépare. On veut vous entendre. Et on se prépare au signal. On encourage les Gaillards! Ballon remis au sol du côté des Cougars. Un gain de 4 verges, 4 à 5. Et on indique que c'est bon pour le premier jeu. Premier essai 10 du côté des Blancs. Et on se prépare. On encourage les Gaillards! Excellente réaction! Le front défensif des Gaillards est intraitable! Bonne perte de terrain sur ce jeu! Deuxième essai, 13 verges à faire! Il y a un blessé du côté des Cougars. On applaudit le joueur des Cougars qui retourne au banc. Et on se prépare la foule des Gaillards. Le ballon sera remis en jeu sous peu. Et on veut entendre un maximum de bruit pour les Blancs. Excellente réaction encore une fois. Il y a une pénalité. On a retenu du côté des Cougars. Et on recule le ballon de 10 verges. On reprend le deuxième essai. Ce sera donc deuxième essai et 23 à la ligne de 6 des Cougars. Et on se prépare, on fait du bruit pour les Gaillards! Excellente réaction! Du numéro 54, le vétéran Adrien Deslignières, plaqué pour perte, troisième essai, très long. Gros troisième tour dans ce match, on encourage les Gaillards. Musique. Encore une fois, le front défensif des Gaillards est intraitable. Les Blancs n'ont nulle part où aller. Ce sera donc un quatrième essai très long à faire.
mais musique. 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 Et on a mis trop de temps à mettre le ballon en jeu du côté des Cougars. Hein. Et on concède 2 points du côté des Cougars. La marque est maintenant de 16-0 à faire. 16-0 avec 3 minutes 21 à faire au premier quart. Passe captée par le vétéran, le numéro 1, William Fortin. Il a des mouchoirs sur le terrain. Attendons voir la décision des officiels. On a retenu du côté des Gaillards. Et les Gaillards qui reprenaient le ballon à la 35 suite aux 2 points concédés par les Cougars pour avantager le positionnement sur le terrain, reprendre un peu d'espace entre leurs zones. Les Gaillards reprenaient aux 35. Et maintenant, avec la pénalité diverge, ils sont premier essai 20 à leur 25. Passe tentée vers le numéro 10 de la recrue Pierre Cholet. Ça s'est failli de peu. Ce sera donc deuxième essai 20. Olivier Lefebvre qui bénéficiait d'une excellente protection de la part de sa ligne offensive. Il fait un excellent travail tôt dans ce match. Et on y va avec le jeu d'attirer en plein centre. Les Gaillards qui gagnent d'excellentes berges. On se rapproche dangereusement d'un premier jeu. Ce sera donc troisième essai, 3 verges à faire. On y va de plusieurs stratégies diversifiées du côté des Gaillards qui donnent tout un spectacle. Musique. Et le cœur arrière, Olivier Lefebvre qui optionne et qui garde le ballon. Et c'est bon pour un premier jeu gagnant. Une course d'environ 35 verges par le vétéran cœur arrière. Il passe, il lance, il court. Thank you.
escarté par le numéro 1, William Fortin. Un bon gain sur le jeu, environ 3 verges, 4 verges. Et les passes complétées qui se succèdent. Deuxième essai, 6. Oh, deuxième essai, 3. Très gros gain. Pardonnez-moi pour l'erreur. La passe est incomplète. Il y a un mouchoir dans le champ arrière. On a retenu du côté des Gaillards. Pénalité de 10 verges. On reprendra le deuxième essai, 10 verges plus loin. Au lieu d'être deuxième et 3, ce sera donc un deuxième essai, 13 verges à faire. Très belle course du côté des Gaillards, le numéro 24, Samuel Boudreau. Un gain d'11 verges. Ça va donc manquer à 2 verges. Non? Bon, on demande la présence des chaîneurs sur le terrain. C'est donc un gain de 13 verges ou un peu moins. Et on indique que ce sera troisième essai et les pouces du côté. Et on va faire un autre mesurage. Troisième essai court du côté des Gaillards. Il va pour le long jeu. C'est incomplet. Donc, quatrième essai. Et très court. Le ballon est remis au numéro 4, Zachary Dallaire, qui va chercher un premier jeu pour les Gaillards. Et après 15 minutes de jouer, la marque est de 16-0 en faveur des Bleus. On inverse le positionnement du ballon sur le terrain, on inverse les deux équipes et on poursuit à l'instant. Yeah.
Ah, c'est un peu trop long, ce sera donc le deuxième essai de sa faire. Tenté vers le numéro 11, Léo Gaudreau. C'est incomplet, troisième essai 10. Formation est réussie, on ajoute un autre point, 23-0 la marque. Bon voté, une bonne réaction de la part des unités spéciales et Gaillard. Et la défensive s'amène sur le terrain. Et on va vouloir entendre les spectateurs des Gaillards, les supporters des Bleus, que vous êtes prêts. On commence à se réchauffer.
Et on n'oublie pas que le maximum de bruit, on veut l'entendre juste avant que le ballon lève. Gardez votre énergie, gardez votre énergie, on se prépare. Let's go, faites du bruit! Avec un bon jeu exécuté de la part des deux équipes. On gagne environ 3 verges, deuxième essai 7. Et on en profite, le ballon est juste devant vous. L'estrade des Gaillards, les supporters des Bleus, on se prépare. On veut vous voir brûler avant que ça lève. Let's go, faites du bruit! Excellente réaction de la part du corps défensif des Gaillards. Plaqué pour perte, troisième essai. Troisième essai et un peu plus de tirage à faire. Et les spectateurs, on se prépare, on se prépare. On peut vous entendre, on fait le max de bruit pour les Bleus. Let's go! Et la passe est presque interceptée. Salon que quatrième essai 11, il y a une pénalité sur le jeu. Attendons voir la décision des officiels. On a retenu du côté des Cougars. La pénalité est déclinée. Quatrième essai 11. Minute pas plus dégagement. Les Cougars s'amènent sur le terrain. Et la défense qui fait travail. On fait du bruit, on les encourage, let's go! William Fontaine qui sécurise le ballon et le passé de Gaillard qui s'amène avec un excellent positionnement sur le terrain à l'intérieur du territoire des Cougars. Et 51, ça va être plus précis, premier essai de sa faire pour les Bleus. Et on demanderait de faire l'espace pour que l'ambulance puisse circuler, s'il vous plaît. I'm gonna get it right in the morning. Out of the boat, now I'm rich deep. Five feet, I do the line.
Deuxième. Simville. Salut, Patron. Cégep de Jonquière profite de cet instant pour vous inviter au match de soccer féminin qui aura lieu demain, ici même sur le terrain synthétique du Cégep à 19h. L'équipe des Gaillards féminins accueille l'équipe du Cégep de Limoilou. Vous invite donc en grand monde à venir encourager nos athlètes. 19h demain soir au bain ici, soccer féminin, les Gaillards reçoivent le cégep de Limoilou. Bienvenue à tous. Et à Nekpi. London.
Salut Denis Lamoureux. Bonjour. Applaudir le joueur des Gaillards blessé qui quitte le terrain en ambulance. Un moment toujours difficile pour un jeune. Un jeune athlète. Thank you.
Et je pense que les deux estrades, on peut faire un maximum de bruit pour les deux équipes, pour les réchauffes, pour les réchauffes! On va avoir un spectacle pour les 30 ans qui restent! Let's go! Faites du bruit pour les deux équipes! Let's go! Spectatrice, musique. Bon, le jeu de couverture du côté du pouvoir, la passe qui est rabattue, c'est une belle couverture. Deuxième essai 10. Thank you.
Transformation réussie. La marque est maintenant de 30 à 0 avec 10 minutes à faire au deuxième quart. Et on a une spectatrice toute spéciale qui aimerait dire un mot d'encouragement pour son équipe favorite. Belle exécution de la part des deux équipes. Le retourneur découvert qui ramène le ballon au 35. Et la défensive des Gaillards s'amène sur le terrain, tout juste devant nos estrades. On se prépare à faire un maximum de bruit pour les encourager, juste avant que le ballon soit mis en jeu. On se prépare, on se réchauffe, et on fait du bruit pour les coups. Au sol, deuxième essai, 10 à faire pour les Cougars. Et on se prépare, on fait du bruit pour les Gaillards! Du côté du couloir, belle exécution, un gain d'environ 40 verges. Premier essai 10 pour les couloirs, aucune pénalité sur le jeu. Et on se prépare, les supporters des Bleus, on veut vous entendre jusqu'à là-bas. Faites du bruit pour les Gaillards! Et la passe est incomplète. Deuxième essai 10. Des Gaillards est intraitable. La pression est très forte. Il y a une pénalité sur le jeu. On a retenu du côté des Cougars. La pénalité est déclinée. Il y a donc une perte de terrain sur le jeu. Troisième essai et plus de 10 verges à faire. Et on se prépare un beau troisième jeu ici. On veut entendre les supporters. On encourage nos Gaillards! C'est capté du côté des Cougars, un gain d'environ 8 verges. Ça sera donc quatrième essai. Attendons voir le positionnement. Quatrième essai, 6 verges à faire. On semble conserver l'offensive sur le terrain du côté des Cougars. Alors on veut entendre un maximum de bruit pour les Bleus!
pénalité sur le jeu. On a mis trop de temps à mettre le ballon en jeu. La pénalité est contre les Cougars. On recule le ballon de Sainte-Verge. Quatrième essai, 11. Et l'unité de beauté dégagement, les Cougars s'amènent sur le terrain. On s'ajuste du côté des Gaillards. Très beau beauté du côté des Cougars, le ballon qui sort en touche et l'offensive des Gaillards qui s'amène sur le terrain profondément dans son territoire. Et la passe est captée du côté des Gaillards et le receveur est très explosif. Gagne de précieuses verges après le gain, après l'attraper. Et c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! C'est tenté dans le numéro 6, c'est Jasmin Lévesque, presque complété. Deuxième essai, 10. Passe captée par le numéro 1. Une autre passe captée. C'est bon pour un premier jeu. Incomplète, la pression était forte du côté des Cougars. Donc, deuxième essai, 10. Thank you.
Et on applaudit Pierre Charlet qui retourne au banc après ce jeu spectaculaire. Incomplète, deuxième essai 10. Passe à nouveau capté par le numéro 1, William Fortin. Bon gain sur le jeu, on feinte la course au sol. Troisième essai et deux verges à faire. Transformation réussie, la marque est maintenant de 37-0 avec 3 minutes 21 à faire au deuxième quart. Belle couverture de la part des unités spéciales des Gaillards. Et la défensive qui s'amène à nouveau tout juste devant nos estrades.
les belles réactions de la part de la défensive. Le porteur des blancs n'a même pas voilé. On annonce le temps mort de 3 minutes. J'en profite pour remercier de précieux commanditaires Quentin Gagnon, Assurance, Ameublement Tanguay, les Inuits de Lutec, Bell Media, Coca-Cola et IGA Extra Saint-Hubert et Mélène, produit l'Association des étudiants et des étudiants du Cégep de Jonquière, Intercor, la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, Ville-Saguenay, Desjardins, l'Assemblée générale du Québec, l'Assemblée nationale du Québec, pardonnez-moi, Pétrolandel, Hôtel Delta, la Voix Maltais, l'imprimeur Paul Premier Chic, Mastera et Mastera. Belle réaction encore une fois du front défensif des Gaillards. C'est donc troisième essai long à faire du côté des Blancs. C'est incomplète, aucun mouchoir sur le terrain, ce sera donc 4e essai 12. Unité portée dégagement des Cougars s'amène sur le terrain. Les Gaillards s'ajusteront. Et retour au numéro 1, William Portin. Pénalité. Sur le jeu. La passe est captée par Olivier Lefebvre, le numéro 6. Non, Jasmin Lévesque, pardonnez-moi. C'est bon pour un premier jeu. Quelle formidable.
tête. Ce sera donc le deuxième essai 10 à faire au 33 en territoire du Cougar. François Laberge, les cousins. Salut les cousins. Très bon gain après l'attrapé de Samuel Boudreau, le porteur de ballon recru. C'est bon pour un premier jeu. Il semble avoir pénalité de rudesse à la fin du jeu contre les Cougars. Alors on ajoutera 15. Alors on ajoute. On ajoute 15 verges au gain. C'est donc le premier essai et les buts tout près de la zone de but des Cougars. Excellente couverture du côté des gaillards, solide au paquet. Ah donc, premier essai 10 du côté des Cougars. Avec 1 minute 30 à faire au deuxième quart, la marque est maintenant de 44 à 0 en faveur des gaillards. Oh,
d'action de la part de la défensive des Gaillards. Il y a donc troisième essai long à faire. Du côté des Gaillards. La recrue, le numéro 19, Tom Garfin, qui fait sentir sa présence avec un solide plaquage. Quatrième essai, 7 à faire du côté des Cougars. L'unité portée dégagement s'amène sur le terrain. Et le ballon est sécurisé du côté des Gaillards. L'offensive qui s'amènera sur le terrain. Légèrement en territoire des Cougars avec 46 secondes à faire au deuxième quart. Et attendons de voir le choix de jeu du côté des Bleus. C'est pas beau. Qui passe, capté par le numéro 1, William Fortin. Un énorme gain qui propulse l'offensive à la ligne de 5 des Cougars. Premier essai et les buts. Pénalité de 10 ans, je vais prendre un essai 10. Transformation réussie. On ajoute un point, 51-0 la marque en faveur des Gaillards.
Excellente couverture encore une fois de la part des unités spéciales des Gaillards. La défensive des Bleus s'amène sur le terrain à nouveau. Belle course du côté des couleurs. Et c'est bon pour un premier jeu Cougar. Aucune pénalité sur le jeu, c'est ce qui met fin à la première demi. La marque 51-0 en faveur des Gaillards et on se retrouve après la pause de la mi-temps. I'm gonna go.
Certified,
retour du côté des couverts. Et quelle vitesse de la part du numéro 88. Des gaillards. Matteo Sankara qui rattrape le retournant pour effectuer le plaqué. Zachary Dallaire, le gain de 5 verges, deuxième essai 5. Champ arrière du côté des Cougars, une excellente réaction de la part du front défensif. Une perte de 5 verges, troisième essai, 10. Quatrième essai 10. Et on en profite pour vous inviter demain soir 19h ici au stade synthétique du cégep de Jonquière. Le soccer féminin aux Gaillards reçoivent le cégep de Limoilou. Demain 19h ici même, le soccer féminin à soir Limoilou. Bienvenue à tous. Excellent retour, très bon bloc du côté des Gaillards. Pénalité sur le jeu pour non-respect de l'immunité. Le ballon était au sol, ça devrait être une pénalité de 5 verges. Si le ballon avait été dans les airs pour un non-respect de l'immunité, ça aurait été 15 verges de pénalité. Alors on ajoute 5 verges au retour, premier essai 10. Pour les Gaillards à leur ligne de 45. Très bon positionnement encore une fois pour débuter l'attaque. C'est un touché Gaillard! Et quelle main douce du numéro 11, le receveur Liam Benary! Receveur de passe recrue provenant de la France! Et Olivier Lefebvre qui continue sa journée de travail avec cette passe parfaitement exécutée. Transformation réussie. La marque 58-0 en faveur des Gaillards.
Arthur, bien sûr, unité spéciale, les Gaillards. Beau retour du côté des Cougars. Et, la défensive des Bleus s'amène sur le terrain. Belle réaction de la part du front défensif des Gaillards, perte de terrain sur le jeu, troisième essai et un peu plus de 15 verges à faire du côté de Chicoutimi. Capté du côté des Cougars, solide plaqué effectué par Romain Bernier Baribeau. Ça donc insuffisant pour le premier jeu, quatrième essai 3, l'unité de beauté dégagement des Cougars s'amène sur le terrain. Venez maintenant, André Lambert. Bouger trop vite du côté des Cougars. On recule de 5 verges, on reprend l'essai, 4e essai, 8. Bon retour du côté des Bleus, le numéro 21 qui profite de très bons blocs, Félix Tremblay. Il y a une pénalité. On semble ne pas avoir respecté l'unité. Pénalité de 5 verges qui s'ajoute au retour. Premier essai 10 pour les Gaillards en territoire de Chicoutimi. Lancé par le numéro 13, Antoine Lefebvre. Au poste de quart arrière sur la séquence, un gain de verge, deuxième essai, une affaire. Ballon remis au sol. C'est bon pour un premier jeu, Gaillard. Porteur de ballon, François Desrosiers, qui va chercher le premier jeu. Et encore une fois, le numéro 13, Antoine Lefebvre, le carrière recru en provenance de la France, qui remet le ballon. La passe est incomplète. Ce sera donc le deuxième essai et diverses affaires pour Jonquière.
Alors, à nouveau remis au porteur de ballon. Pénalité pour avoir retenu du côté des Gaillards. On reprendra l'essai divers plus loin. Ce sera donc le deuxième essai, 20 verges à faire. Passe complétée du côté des Gaillards. Antoine Lefebvre, avec son bras, va chercher beaucoup plus qu'un premier jeu. Et on s'approche de la zone des buts de Chicoutimi. Ballon remis au porteur de ballon. François Desrosiers. Un gain d'environ 3 verges. Deuxième essai. Passe incomplète, troisième essai, 7. Marc-André. C'est un cousin en François, c'est ça? Ballon nouveau porté par François Desrosiers. Un gain d'environ 5 verges, quatrième essai. Et c'est bon pour un toucher gaillard. Transformation réussie. On ajoute un point. Fin du troisième quart. Et nous remercions chaleureusement Quentin Gagnon Assurance, Intercar, la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, avec Laurent Tanguay, les Inoutes du CAC, Vince Salmé, Desjardins, Belmédia, Coca-Cola, Petro-Larel, l'Assemblée nationale du Québec, le IGA Extra Saint-Hubert-de-Mélène, l'Hôtel Delta, la Voix Maltais, Rodi, le RSEQ, les imprimeurs Promochic, la GFJ, ainsi que Mastera, de nous permettre de vivre des matchs de football comme celui-ci.
retour du côté de Chicoutimi, avec un match qui a mis à l'heure. Dans la ligne 41-42. C'est bon pour un premier jeu, c'est Chicoutimi. Ballon capté par le numéro 13. Deuxième essai. Perte de 3 verges sur ce jeu. Perte de 4 verges. Bien échangé. Jean-Raymond, photographe français, déplacement pour le match de ce soir. Passe incomplète, ce sera donc troisième essai, il y a un peu plus de 5 verges à faire pour les Cougars. Quatrième, pardonnez-moi. Au retour, le numéro 88, la recrue, Matteo Sankara. Excellente vitesse. Il y a une pénalité sur le jeu. Ça semble être contre Chicoutimi. On va voir bloqué plus bas que la hauteur permise. On avancera donc le positionnement du ballon. Et ce sera premier essai 10 à faire pour Jean-Pierre. Allez, Tunisie.
du quart du côté des couleurs. Perte de trois verges, deuxième essai 13. Nicolas Proux, le quart arrière, dans le champ arrière. Numéro 15. Quel effort après l'attraper. Et encore une fois, Mathéo Sankara qui nous montre ses prouesses athlétiques. Un mouchoir sur le terrain. Pénalité sur le jeu, on recule le positionnement du ballon, on reprend deuxième. Passe par la rue, le numéro 11, Liam Delarude. C'est donc le quatrième essai long, l'unité de côté dégagement, lui, Gaillard s'amène sur le terrain. Reste un peu plus que 7 minutes et demie à faire au match. La marque toujours de 65 à 0 en faveur de Gaillard. Le plaqué par le numéro 87, Gabriel Leclerc. Très belle réaction de la part de la défensive des Gaillards. Aucun gain sur ce jeu. Deuxième essai. Complété du côté des couloirs.
On vient de me dire à l'instant que c'est l'anniversaire de mon ami et collègue Cindy Perron. Bonne fête, Cindy Perron. Je veux juste pas vous le dire. Bonne réaction de la part du retourneur avec les Gaillards qui sécurise le ballon. Pas de retour sur le jeu. L'offensive de Jonquière s'amène sur le terrain. Incomplète, deuxième essai 10. Carrière qui décide de conserver le ballon, qui court, qui gagne quelques verges. C'est donc un troisième essai. Temps d'arrêt des 3 minutes. Concentration, la numéro 11 qui récupère Milan Metalaride. Très belle passe lancée. Attrape le ballon, reste à l'intérieur du terrain. Premier essai 10.
incomplète. Deuxième essai, 10. Sac du corps du côté de Chicoutimi, le numéro 99 au plaqué. Raphaël Desaulniers. Passe incomplète. Ce sera donc quatrième essai long. L'unité de beauté dégagement s'amène sur le terrain pour clôturer la partie. Et on remercie tous les spectateurs qui se sont déplacés pour le match de ce soir. Et on peut faire un maximum de bruit pour encourager les joueurs des deux équipes pour la partie. Et on vous remercie, les gars. Félicitations aux deux équipes. Et c'est ce qui m'a fait le match. Victoire par la marque de 65-0. Des Gaillards. On demanderait Twain Barrette à la console, Twain Barrette.